C'est là que se finit mon quatrième vlog. Mais pour que vous voyez qu'est-ce que j'ai filmé dans les 2 derniers jours, parce que j'ai eu une fin de semaine vraiment occupée, il ben, faut remonter à peu près, je dirais, 42-43 heures passées. Ma fin de semaine a commencé samedi matin, ici à Beau FM, où j'anime tous les week-ends, tous les samedis et les dimanches à partir de 7 heures. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère surtout que vous avez profité de la belle, belle, belle température qu'on a eue au cours de cette semaine, justement. Parce que si vous attendiez à cette fin de semaine pour en profiter, là, ça se peut que vous vous êtes réveillé un peu déçu ce matin parce que le Grand Moncton, c'est pas très beau. Encore une fois, je suis avec vous jusqu'à midi, donc j'espère que vous êtes prêts à passer une autre excellente matinée sur les ondes du Beau FM. Radio finie, on va se préparer pour se rendre à Campbellton. Mais avant de se rendre là, un petit changement d'huile parce que j'ai peur de ne pas me rendre. Yes. Je sais que celui du nouveau n'est pas encore arrivé, mais j'imagine que ça devrait pas tarder. On devrait avoir une mise à jour de smartphone à animer Saturday Night Live en 2019 et que McCleary, lui, était réalisateur de l'une de ses scènes. Qui... Ah, merci pour l'avertissement, je m'aurais jamais aperçu de ça. Bon, changement d'huile de fête. Prochaine étape pour me préparer pour le show de comédie ce soir. Préparation très cruciale. Aller faire une sieste après-midi parce que j'ai beaucoup de route à faire. Bon, fin de semaine, j'en parle bientôt, mais je suis sur la route. Ça va me donner un sujet de quoi parler pendant que je roule. Ça fait que c'est tout de suite, je me rends chez Loupi. Moi, on va en étirer un petit peu. Peut-être trouver des idées pour asseoir. Bon, tu comprends, c'est ça. On s'en parle. Bon, j'en parle plus tard, mais vous autres, j'en parle comme direct là. Bon, là, j'ai pris ma sieste, j'ai pris une douche, puis là, je suis sur la route pour direction Campbellton. Et oui, j'ai pris une sieste, j'ai fait une sieste l'après-midi parce que je suis rendu à un âge. Tu sais, quand tu dors l'après-midi, là, 2-3 heures, tu te réveilles, tu as le sentiment d'avoir accompli de quoi, là. Je suis vieux de même, qu'est-ce que tu veux. Ben, c'est juste que j'avais besoin de me reposer parce que j'ai une grosse fin de semaine. Au début, j'avais rien vraiment planifié pour ce week-end-ci, mais là, plein de choses s'est rajouté comme dernière minute, puis moi, ça m'a donné peur parce que ben, ça me tient occupé. Là, je fais beaucoup de route, puis moi, la route, j'adore en faire. Ça fait que là, aujourd'hui, je fais Moncton, Campbellton, Campbellton, Moncton pour show d'humour. Puis demain, je ferai Moncton, la mec Moncton pour aller jouer de la musique. Là, ça ne sera pas un show, c'est juste une pratique avec un groupe que je travaille avec. Que les détails de ce groupe-là devraient sortir plein vite. Fait que c'est vraiment un projet qui est fun avec des chums d'enfance. Fait que ça me tient occupé. Tout de suite, là, c'est ça. Je suis en route pour Campbellton. OK, bon, pour le monde qui ne connaît pas le Nouveau-Brunswick, juste pour vous donner une idée de la route que je fais en fin de semaine, moi, je reste ici, à Moncton. Puis là, tout de suite, je préfère la route pour me rendre à Campbellton pour faire de l'humour. Puis après ça, là, je reviens de nouveau en soirée après le show. Parce que je travaille le lendemain. Puis après avoir travaillé, là, je me rends ici à ma ville natale qui est sur l'île Lamec pour aller faire de la musique. Donc oui, Lamec, yay! On va faire de la comédie, on va faire rire les gens de la région. Bon, on est arrivé, il me reste juste à me parker. Et bon plan! Avant le show. Arrivé un petit peu plus tard que j'aurais préféré, que j'aurais aimé, mais comme je le disais plus tôt, étant donné que j'ai une grosse fin de semaine, je vais faire sûr que je sois bien reposé parce qu'en tombant endormi à la roue, pas tout qui m'intéresse plus qu'il faut, je veux dire. Là. On va être honnête avec vous autres. Circolo et... Direct là. Ouh, Circolo, c'est là qu'on va compter des jokes!
ladies and gentlemen. He's originally from up north in Lamech, and now he lives in Dieppe, New Brunswick. Please welcome to the stage, Mr. Eric ACDC Chiasson. Wait, I'm Chip. What's up, Campbelltown? How are you guys doing tonight? Woo! All right, man. In front of a live crowd, man, that's great. Feels good, because COVID changed everything in life. Just this year, I don't know if you got paid attention for the Groundhog Day, February 2nd. They changed the rule. Don't know if you knew that. What happened was, if the groundhog came out and saw its asshole, 2020 would last for 6 more years. Ça y est, chaud et flat. Ça a vraiment, vraiment bon été, ça téléphone. Je pense que tout le monde a aimé ça. En tout cas, ça m'a fait du bien de retourner sur scène. Mais là, tout de suite, on prend la route. On retourne à Moncton. Parce que je travaille encore à la radio demain. Après, là, je vais dans la péninsule jouer de la guitare. Ici, pas seulement embrouillé. Ben, il fait noir, puis c'est... Du coup. Avec tout de suite, je suis à Campbelltown. Yeah! Presque 11h, ça fait qu'on va voir, c'est quand j'arrive chez nous. Boom! Arrivé à Moncton, 2h24. Ça veut dire qu'il me reste à peu près un petit peu plus que 4 heures de sommeil avant de retourner au travail pour commencer ma dernière journée de mon 48 heures occupées. Ça fait que, oui, là, je vais aller me coucher, dormir une couple d'heures, mais vous autres, vous allez me voir dans une couple de secondes à la station, drette là! Aujourd'hui, ce sera un alternant de soleil et nuages devenant nuageux au cours de l'après-midi. Maximum de 3 refroidissements éoliens de moins 12 ce matin. Ce soir et cette nuit, ciel nuageux avec une neige mêlée de grésil débutant en soirée et se changeant en pluie vers minuit. Hauteur de pluie prévue de 15 mm, minimum de 0. Lundi, ce sera de la pluie intermittente, hauteur prévue de 5 mm, maximum de 11. Mardi, ensoleillé, maximum de 10. Et mercredi, ce sera nuageux avec un maximum prévu de 13. Je suis fatigué. Sur la route aujourd'hui, on est rendu dans la péninsule acadienne. Hier, j'étais à Campbelltown, frère de l'humour. Non, aujourd'hui, je me rends à la Mecque pour jouer de la musique. Passer à Campbelltown hier, c'était excellent. Ça a vraiment été une bonne soirée. Ça a été fun. Je m'y sentais un petit peu rouillé sur scène. C'est quand même juste mon deuxième spectacle en 2021. La première fois, c'était au Rob Cap. C'était au Rob Cap à Moncton au début février. Ça fait que... Et avant qu'on vienne, je vais plus me mettre à l'aise sur scène en avant des gens. Ça m'a pris peut-être 2-3 minutes, mais coup parti, ça a bien été. Je pense que tout le monde a aimé ça. Tout le monde sur scène était vraiment un bon. Ça a été vraiment une excellente soirée. Pour tous les humoristes du Nouveau-Brunswick, si Nathan Dimitra vous invite à participer à cette soirée-là, ben moi, je vous recommande fortement d'accepter l'invitation. C'est vraiment une bonne expérience. Donc, le crowd, ça fait que pas vraiment y aller mal là-dessus. Donc, c'est sûr que cette soirée-là, à Campbelltown, on va continuer. Et là, aujourd'hui,
pratique de band, on va essayer des nouvelles tunes, on va essayer des covers, on va s'amuser, comme l'autre fois qu'on avait pratiqué. Puis on va... Oh tabarnak, le rédit chef ouvert, c'est-y. OK, ça s'appelle plus Ready Chef, mais quand je restais par ici, ça s'est tout le temps appelé Ready Chef. Puis ici, c'est la place où il y a les meilleurs wedges au monde. Comme, c'est même pas juste mon opinion, c'est un fait de la vie. Meilleur wedge au monde, c'est ici que ça se passe à Chipogas. Fait que vu que c'est ouvert, je peux m'en pogner un petit peu. Yes! Oh. All right. Meilleur wedge au monde, je vous le dis encore une fois. Délicieux, ça vaut la peine. Ok, je vous. Et on est rendu! Mon cartes n'est plus là par exemple. En tout cas, je suis rendu dans ma ville natale, si on peut appeler ça une ville. En tout cas, je suis à la mec. Bon, ben, ça a été une bonne pratique de groupe. Là, ça, il faut que je fasse 3 heures de route pour me rendre chez nous dans cette température-là. Ça fait que ça va être la fin. Là, on va prendre son temps. Je fais officiellement partie du groupe. Ça fait que c'est une bonne nouvelle. Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir gérer comme l'humour et la musique. Ça fait que là, j'ai la chance de faire les deux. Et si vous le faites noir, hein? Je ne parlerai pas trop longtemps parce que ça va être pas intéressant à écouter. Mais là, c'est ça, on a une bonne pratique. Étant donné que c'est des compositions originales qu'on fait, je vais vous montrer des bouts de la pratique, mais juste vous ne pourrez pas entendre les tunes parce que pour l'instant, c'est top secret. Ah ouais, ah ouais, la tête,